J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un événement spécial pour moi parce que, un, déjà j'ai reclassé et deux, nous allons voir l'icône la plus prestigieuse de ma génération, la plus écoutée sur Spotify. J'ai l'honneur et le privilège de vous dire que je vais voir Billie Eilish au Centre Vidéotron à Québec. Il est actuellement 7h du matin et j'attends mon bus. Je tiens à préciser, nous sommes dimanche. J'ai vu sur TikTok qu'il y a des gens qui attendent depuis jeudi ou limite vendredi. Et sauf que hier soir, j'ai failli me taper une déterre et aller camper cette nuit. Et qu'il y a déjà beaucoup de gens parce que je suis actuellement dans la fosse, comme d'hab. Whatever, nous, on va prendre notre bus et c'est parti pour une heure 40 de transport. Oui. On y arrive. Oui. Je suis trop contente. Les gars, nous sommes au Vidéotron. Le truc est énorme, sans déconner, je crois qu'il est plus gros que l'O2. Quand la dernière fois, je suis allée voir Billie Eilish à Londres. Le Vidéotron, j'ai juré, il est énorme. Regardez qui m'a appelé. Salut. Je disais, moi, je suis arrivée à 8h30. Elle vient de se lever, il est 13h36. Elle s'est levée à 13h. Et 1h36. 13h. Ah, c'est vrai.
yourself back, man. Yeah, this is my first show of this whole tour. I've never done this show before. I'm so happy to be back and I've never been here before and I'm just so happy to see all the great dancers. So are you ready to keep going? Yeah! This works. So I'm gonna try something out. Woo! But it's gonna need silence. Oh. And it's literally the only time in the entire show that I'm gonna say this. Because I don't want silence ever. But you know, I do all my own vocals for my sounds, and I layer all my harmonies, and I love doing my vocal production, and I thought I would, like, bring that to the stage a little bit, so try to be quiet just for this one little part, okay? Let's see if it works. Let's try it. Mm-hmm.
Wow, it's so crazy to sing these songs for the first time with a craft. It's like shocking. Hearing you guys sing the words for that one was just like, I could have bawled my eyes out. Thank you.
être une fin de concert. Je viens de sortir de la salle, je suis actuellement dans le parking, voici le centre Vidéotron de Québec. J'ai passé un concert magnifique sans deck. Sauf que là les gars, on a un léger souci. C'est que j'ai actuellement 15% de batterie et 1h30 de transport à faire. Parce que ma mère m'a dit non mais si tu veux pas rentrer trop tard, prends Uber. J'ai réussi à rouvrir mon téléphone quelques microsecondes pour voir si un Uber valait le coup. 109$. Donc c'est un non catégorique pour le Uber. Sauf que maintenant il faut que j'arrive à retourner à mon campus de tête. Parce que le seul moyen que j'ai pour valider mes tickets de bus, c'est mon téléphone. Vu que j'ai pas de carte, j'ai que des tickets sur mon téléphone. Donc à tout moment je ne peux pas rentrer en bus et je dois rentrer à pied. Oui, Slay girl. Et sinon j'ai rentré une québécoise qui était très... Enfin non, montréalaise, je sais pas comment tu le dis, qui était très cool, avec qui j'ai fait le concert parce qu'on a attendu toute la journée ensemble. Voilà. Let's go for a little walk. Yeah. Billy, genre à 15 minutes de la fin, elle est descendue du stage et elle a dit j'ai des nœuds dans mes cheveux, j'arrive pas à les défaire. Quelqu'un peut me les défaire? On va tenter. Elle est descendue du stage, il y a des gens qui lui ont démêlé les cheveux et à la fin ça l'a saoulée. Elle demande à la sécurité de ramener un ciseau, ça fait couper les cheveux. Donc petite coupe à la Billy. On sait quoi. On va regarder quand est-ce qu'il arrive le bus. Wow, j'ai eu peur qu'il s'allume plus du tout. Je vous ai vu ma tête se décomposer. Samsung Galaxy. Oui. Et j'ai mal en tabarnak au genou. Et dans 24 minutes, mon bus démarrer. Allez, allez. Faites que ce soit celui-là. Moi, c'est la rue d'après. Vous savez que quand même, à chaque concert que je fais là récemment, il m'arrive des péripéties quand même. Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, dans cette vidéo, je suis allée voir le concert de Taylor Swift. Qui se rappelle que je sors du concert, je suis sur la réserve de ma voiture, je n'ai plus d'essence. Et que c'est un mec en moto qui m'a payé l'essence. Là, j'ai plus de batterie, je suis paumée dans une ville à 6000 km de chez moi. Et je marche. Et je marche, et je marche, et je marche. Il arrive tellement bien dans 24 minutes que je viens de courir pour aller en bus. Bon, je suis dans un trou paumé. Le bus que je suis censé prendre est juste là, sauf que il me dit que j'ai encore 1h15 et de bus et il est minuit. Donc on va pas rentrer à 1h du mat à l'école. Jean est bientôt là, il arrive. À 1,7 km d'ici, j'ai 2% de batterie, les 1% se guettent et mon Uber n'est toujours pas là. Oui, mon Uber, regardez mon sauveur. Mais tu vas où? Tu vas où? T'as vraiment... Coucou.